Bal mushkil bizef daba simena ta shia ya makenshi na kulshi drari makenshi ta makla makenshi ta shia ja bal mushkil bizef na bitigul madrari ma messages kulshi drari biti atishia ja ken de famille ken bizef ken bizef na le nombre de femmes bien basket. Wado Ashirin. Kulchi dina Wado Ashirin. Wado Ashirin. Les origines de chacun? Cameroun, Mali, Cameroun, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria. Dina. Chal men am tout men. Dina. Hamso Ashirin. Non. Combien d'années? L'âme. Oui. L'âme, Arba. C'est combien? Arba d'âme. Arba Sine. Arba Sine. Oui. On est belle, le coude revient dire quoi? Ah, ma quinche. Ma quinche. La source de nourriture? La source, ma rond-point. Le rond-point. Dis. Et dans ce cas de Corona? D'abord, rien que la population. Awa jiwat, awa goul, awa... Vous avez des difficultés chérées? Ah, bizèf, difficultés, bizèf. Awa jiwat, drari goul, awa l'rose, awa l'zit, awa l'matecha, awa da, chouya. Aba michi, ma kenj bizèf drari. Ken wad, youm, ken wad drari yaji, ma l'rose. Pakia, ate wad pakia, wad pakia. Aba l'mouchi bizèf, ma l'corona. إلا مرض شو واحد يكون كيفاش كيتعالج وكيدير لوبيتال دابا بريتي سي لوبيتال مال وكا ما كاينش وكا ما تيشيش لوبيتال لا سي كيلكان كي مالاد ايسي نو لين يا با دو مالاد ايسي يا با دو مالاد نو يا با دو مالاد نو دون لو كا دو مالاد دون لو كا دو مالاد اون فوا الي لوبيتال وي ولا لوبيتال عادي كيعاملوكم مزيان في لوبيتال اه لوبيتال شويا شي اواجيت ما Ma quinche. Il y a des facilités d'accès à l'hôpital? Pas bien. Pas à 100%. Comme, pourquoi? Parce que vous savez aussi, il y a aussi le racisme aussi. Lorsque vous arrivez, que vous êtes noir, ce que vous demandez, c'est pas une fois. Vous allez arriver à l'hôpital, vous allez vous asseoir, vous allez attendre. Nous savons que nous sommes des Africains, mais ce que toi tu penses, c'est pas. Comme tes frères. Mais il y a des Marocains des Noirs. Ah, il y a des Marocains des Noirs, mais on sait ce qui se passe au Maroc. Nous n'allons pas tout entrer dans les détails pour. Parlons ce qu'il faut et laissons l'autre côté, s'il vous plaît. Bon, nous étions au cas de. Alhamdoulilah, nous sommes des musulmans. Alhamdoulilah, nous sommes tous des musulmans. Alhamdoulilah. Au TEP, au CE dans le combat,
au TEP, à toute la famille marocaine. Et merci de la réception des frères marocains dans ce pays. Nous sommes réjouis en ce moment de nous avoir laissé la liberté de s'exprimer et de récolter entre nous une nouvelle idéologie familiale, de se rencontrer dans les coins. C'est vrai que l'endroit n'est pas trop approprié, mais on n'a pas le mieux. On ne nous offre pas le mieux. Dans ce cas, on trouve une maison abandonnée. Là, on les suit. On propage l'hygiène des frères contre les frères. C'est grâce au partage qu'ici, on suivit. Et pour voir l'idéologie de Corona, vraiment pour nous ici, ça nous effraie. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus dans la liberté de gérer nos journées comme hier. Donc, à cause de Corona, il est prévu de sortir à 6 heures peut-être, ou à 10 heures, comme on a dit à l'État, et redormir à 18 heures. Pendant que nous, on n'a pas de travaux, et puis il y a certains frères, à des moments qui passent, nous donner les salutations, et puis nous faire du sadaka, on se réjouit par rapport à ça. On a l'hygiène, mais on n'est pas à 100%. Parce que comme vous pouvez contrôler vous-même les environs, c'est vraiment c'est pas dans l'état normal. Donc, merci pour votre projet. Si c'est un début du projet, parmi nous, il y a ceux qui ont les projets et qui aimeraient bien travailler. Bon, on nous a dit qu'un sans-papier, il ne se doit pas d'avoir une concentration de confiance, une concentration sur le fait de connaissance, parce qu'il est à l'inconnu, il est comme X. Donc, si vous pouvez vous rapprocher d'abord sur les premiers problèmes de base, parce que s'il faut qu'on s'informe sur vous, il va falloir qu'on ait l'eau, la lumière. L'eau, pourquoi ? Pour l'hygiène. On demande à Corona de laver les mains de temps en temps. Mais nous, on n'a pas d'eau. Ici, présentement, vous pouvez constater, c'est les bidons qui sont là. C'est avec ça qu'on se débrouille à trouver l'eau un peu partout pour survivre. Et le partage, parfois, ici, pour vivre, on est obligé de se donner 5 dirhams pour manger. Et là, si c'est 2 personnes qui ont 5 dirhams, c'est 10 dirhams. Nous sommes 11, ou 20, ou 30, ou 50. Je m'appelle Mohamed Diallo. Je réside ici à Suir. De fait que vous êtes venu ici nous rencontrer, on est très ravis de votre arrivée ici. Et on est très content de telle sorte que vous parlez de la sensibilisation à propos du coronavirus. Exactement. Bel et bien, le coronavirus existe. Donc il faut toujours éviter la propagation de ce virus parce que c'est un virus qui est très dangereux. Je remercie le gouvernement marocain d'abord, en plus, parce que, et surtout le ministre de la Santé, en plus, et le roi Mohamed VI. Moi, c'est mon premier pays d'accueil ici, le Maroc. Depuis que je suis rentré ici, cela fait au moins ma 5e année comme ça ici. Mais je remercie bien le roi Mohamed VI en général et je remercie la presse parce que la sensibilisation, il est normal. Et j'appuie encore sur un point, il est important de respecter les consignes que le gouvernement a données, il est extrêmement important. La propagation de ce virus, la pandémie, c'est un virus qui est très dangereux. Se laver les mains régulièrement, éviter, respecter la distance de sécurité entre toi et ton prochain, c'est normal parce que c'est un virus qui a bouleversé totalement le monde entier. Donc c'est devenu comme une crise mondial. Donc c'est pour la sensibilisation, c'est ça seulement que j'ai à vous dire. Et vous prendre les précautions ? Pour les précautions, il s'agit tout simplement de se laver les mains régulièrement. Donc chaque fois qu'on aille aux toilettes, et avant de manger, et surtout pulvériser les milieux, les endroits là où vous dormez, les ustensiles de cuisine, ce qui ensuite, tout. Ouais, ouais. Bon, par rapport au cas du virus Corona, donc ça fait déjà presque une semaine, 4 jours. Nous sommes ici, nous ne sortons pas dehors. Et pour manger, il y a certaines personnes de bonne volonté. Certaines personnes de bonne volonté qui viennent avec un peu de riz, d'huile, du beurre, du thé, qui viennent nous offrir. Et nous leur disons merci. La plupart du gens ne savent pas que vous êtes là. Il y a d'autres qui savent, il y a d'autres qui ne savent pas.
Donc il y a d'autres qui savent que nous sommes ici, il y a d'autres qui ne savent pas. Pour ceux qui savent que nous sommes ici et qui ont l'habitude de venir nous aider, nous leur disons merci. Nous leur disons merci pour ça. Et pour ceux aussi qui ne savent pas, peut-être qu'ils vont voir la vidéo, qu'ils auront l'envie de venir nous aider, nous leur disons, ils sont la bienvenue. Nous allons, ils sont la bienvenue. À l'heure qu'ils vont venir, nous allons les... Un peu comme vous êtes venus pour... dans... C'est comme ça. Et le Maroc, déjà, le Maroc, c'est pas facile, le Maroc. Lorsque vous n'êtes pas marocain, si au moins vous êtes marocain, au moins vous avez l'accès. Vous avez des difficultés de l'intégration. C'est comme ça partout, vous dans tous les pays où, c'est pas seulement le Maroc, dans tous les pays où vous allez vous trouver. Lorsque vous n'êtes pas d'abord citoyen du pays, vous devez avoir des difficultés. Parce qu'il faut s'intégrer, il faut donc il y a plusieurs choses. Mais quand même, nous aussi, nous vivons plus grâce à la population marocaine. Parce que ce sont eux qui nous viennent en aide. S'il n'y a pas la population, ils seront tous morts. C'est la population qui nous vient en aide. Parce que chaque fois, il y a des mamans à dire, eux, ils ont un cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont des enfants. Et lorsqu'ils nous voient, ils pensent à les enfants qu'ils ont à la maison. Et c'est eux, la plupart, qui viennent nous voir et nous aident toujours. Parce qu'ils ont un cœur, parce qu'ils ont des enfants. Parce que celui qui n'a pas d'enfant ne peut pas avoir un cœur. Il ne sait pas. Lorsqu'ils nous voient comme ça, ils disent, c'est comment ça peut être? Demain, ça peut être mon fils, ça peut être dans... Mon message à la société marocaine, c'est que les Marocains, nous sommes des frères. Parce qu'il y a d'autres Marocains, lorsqu'ils nous voient aussi, il y a beaucoup de haine aussi. Nous sommes tous des frères et ils doivent comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont blancs, nous sommes noirs, mais nous sommes des frères parce que nous sommes tous Africains. Et les Africains, nous devons nous respecter entre nous. Nous ne devons pas faire la bagarre entre nous, les Africains, parce que nous sommes Africains. Ici, le Maroc, c'est mon pays. Donc, un Marocain ne va pas me dire que ça, c'est son pays. Le Maroc, c'est mon pays. C'est mon pays. Donc, je dis merci à tous les Marocains, merci à vous, le salam alaikum, à votre presse, et merci d'être venu. Maraba bikoum, comme on dit chez vous, maraba bikoum, maraba bikoum.